Yo tout le monde, c'est 1138, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Uncharted. On dirait qu'il y a des sortes de machines là-haut. Attendez, j'essaie de revoir encore mon casque. Bon, Là, j'abandonne encore il y a l'idée une de mon échelle. casque. Eh, je crois que je peux l'atteindre si tu m'aides. Ah oui, là. Attends, je regarde vite fait, il y a des A4 partout. Ouais, je crois bien que c'est. Je crois que c'est le bon moment. Allez. Allez, grimpe. Oh, t'es plus lourde que t'en as l'air. Tu peux l'atteindre? Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil. Il y a une corde. Je vais essayer de te la passer. Oh, je vois un tunnel. On peut sortir par là. Salut les mecs. Du calme, Eddie, du calme. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais. Tu les as pas vus? Oh non. Mon Dieu, non! On est piégé! Putain, mais c'est quoi? C'est mort! On va tous cramer! Oh là, c'est. Ouais, c'est ce que ça met. C'est ça. Donc, c'est cette sale bête là qui était infâme. Et je peux vous assurer, quand vous avez. Je crois que j'avais quoi? 12-13 ans, ça vous fout un petit coup quand même. Si jamais on doit y rester, je veux que tu saches. Je peux pas te saquer. Ouais, pareil, mon pote. Bon, c'est parti. Je crois qu'il fallait pas qu'ils nous approchent, un truc dans le genre. Ils sont où? Je crois que s'ils me chopent, je meurs. Il est tout rouillé! Impossible de bouger! Genre, même lui, il trouve des planques. Du coup, on veut bien que tu te dépêches quand même, ma pote. À partir du moment où il tire, c'est bon signe. Il est bon? Aïe. Ah non, du coup, il one shot. Ah non, il two shot. Ça, mais mec, ça tue assez rapidement, c'était merde. C'est tellement infâme. Une gun ou quoi? Non. Du coup, c'est parce qu'il me semblait que le space était très fort contre eux. Il est tout rouillé. Impossible de bouger. Pourquoi tu rigoles? Il va nous enculer, lui. J'ai la K. Je vous avoue que je suis à peu près. Voilà. Ça plutôt. You. Si je meurs pour voir. Lena. Dépêche-toi, Lena. Putain. PD. Du coup, en fait. Ces trucs là ont pas du tout augmenté le niveau de difficulté en fait, surtout. C'est ça, espèce de sale enfoiré! Faut pas emmerder, Eddie Raja! Ouais, bah, du coup, crève. Hein. Tu sauves ou pas? Eddie, tiens bon! Ah, bah, du coup, non. C'est une blague ou quoi? Elena, dépêche-toi! Approche-toi, Nate! Et j'ai réussi à tomber dans le trou. Putain, je suis trop con! Donc ouais, comme vous avez pu voir, du coup... What? Bah déjà, le fait... Petit two-shot...
Ça rajoute quand même un sacré niveau de difficulté au jeu. Fils de pute. Non, fils de pute. Non, non, non. Oh non. Ça y est, ça bouge. Ouais, ça bouge, ça bouge, mais. Taras. Taras. Tu fais quoi? Nate? Mais. Putain, parce que s'ils viennent pas à la fin, je veux bien les buter, mais. Ah voilà, merci. Donc voilà, c'était quoi ces choses qui m'avaient fait quand même. Qui m'ont quand même fait arrêter Uncharted du coup quoi. Lâche. Ah, très bien. Putain. Allez, allez, allez. Cours. Nickel. La porte blindée. Voilà, je m'étais arrêté. Pour être précis, je m'étais arrêté ici. Hein. Je sais pas. J'en sais rien. Ça va? Hein? Nate? Ok. Je pense qu'ils pourront pas passer. Nate? Quoi? On est où là? Je sais pas trop là. Un bunker. Fonce! Ça explique le sous-marin dans la jungle. Nate, par là, regarde ça. Pas serein quand même. Alors ils l'ont trouvé. Ils ont dû s'introduire dans la salle et tout prendre. Ouais, mais qu'est-ce que le monastère a à voir là-dedans? Je sais pas. Ça n'a vraiment aucun sens. Si c'est là que se trouve la statue. Oh merde, on était vraiment juste au-dessus. Je suis sûr qu'on peut remonter à la surface. Les nazis ont allumé l'électricité. Et merde! Tu vois, je suis sûr que si on trouvait la salle des machines, on pourrait remettre le courant. Il faudrait juste qu'on sorte d'ici. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Ok. On est sorti. Bien joué. Ouais. Bon, on y va. Non, c'est à toi de jouer, cowboy. C'est quoi ce délire? Nate, tu sais très bien que j'y arriverai pas. Il est hors de question que je te laisse ici avec ces monstres. Mais on n'a pas le choix. Tu vas remettre le courant, tu reviens me chercher, et après, on se tire d'ici, ok? Allez, fonce. Putain. Ils vont me rendre fou en plus ces monstres, je vous jure. Tu bouges pas, je reviens. Ouais. Ils sont mignons quand même, tous les deux. Chapitre 18. Je vais t'enculer. Pardon. Un peu de frustration, ça fait pas de mal. Juste pas monter, non. Il y a un truc à choper en haut. Je cache pas que je m'en souviens plus. Ah non, oui, voilà, c'est ça, il fallait juste... C'est juste... Pas la bonne descente. Voilà. Putain, j'ai cette musique dans la tête. Oh putain, je croyais que j'allais pas l'avoir. Donc voilà, donc c'était bien ces choses qui m'ont vraiment fait arrêter le jeu, je peux vous assurer. Bah déjà, comme je vous dis, je pense que j'avais 12 ans à peu près, 12-13 ans. Voir ça, déjà, je peux vous assurer, bah au début, moi ça m'a pas forcément déjà mis bien. Et puis en plus de ça, bah en fait, ce que je trouvais extrêmement dérangeant, c'est déjà du coup bah le fait que ça touche déjà ces conneries, donc c'est quand même assez, enfin c'est vraiment hyper frustrant, genre tu te rates deux fois, tu meurs, et je crois que si tu mets le niveau de difficulté encore au-dessus, il te one-shot je crois, donc faut vraiment pas se faire toucher une seule fois. Je suis pas sûr, hein, parce que j'ai pas fini le jeu au niveau de difficulté max. Merde. Oh putain, merci. Donc du coup, voilà, je peux vous assurer que c'est assez vraiment frustrant. Pour moi, j'ai pas encore récupéré de munitions, donc ça veut dire que pour moi, y a personne.
que 24 minutes en deux. Sullivan, réponds. Ah, ça sert à rien, ça capte pas ici. Pas loin. MP40. Putain, j'avais oublié qu'il y avait des MP40. Allez, venez. Allez, bande de gros chiens, là, vous êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain de merde. Oh merde. Les Kivros, ils sont où? Putain, je croyais qu'il était derrière moi. Putain, les fils de pute. Merde, je me suis raté. C'est ça, il faut pas non plus 20 000 balles pour les buter. Ah. Petit 15ème trésor. Je cache pas, je m'en bats les couilles, je veux juste finir ce passage de merde le plus possible. Voilà, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, ça passe. Vu qu'il va y en avoir plein à partir d'un moment, ça va être casse-couille. Genre même là, ils sont fourbes quoi. Par là non. Ça doit être la salle des machines. Ça doit être la salle de ta mort. Ah non, pardon, je croyais que... Ouais. Allez. Dieu soit loué. Quoi, faut que j'aille là-bas ou... Ça m'est... Ah, chapitre 19. Bah du coup, voilà, je mets en pause maintenant. Il aura vraiment pas duré très longtemps, ce chapitre. Ce let's play surtout. C'est ça, mais j'ai fait 17. 17, 18, c'est ça, 19, 20, oui, voilà. J'ai un petit moment d'hésitation. J'avais oublié à quel point c'est vrai que ces chapitres passent extrêmement vite. En tout cas, ces deux-là, j'avais oublié à quel point ils passaient très très vite. Je crois que le 19, 20 aussi, parce que c'est toujours dans le même délire là, on est dans les catacombes, on va dire, et faut survivre face à ces merdes. Et voilà. Donc voilà, bah écoutez, 13 minutes de vidéo. Est-ce que ça c'est pas beau genre? C'est parfait quand même, enfin, c'est pas trop trop long. Bon du coup je vais quand même aller jusqu'au 15 quand même. Juste comme d'habitude, donc voilà, là on n'est pas à la dernier épisode de la semaine, mais j'en profite quand même pour en parler vite fait. Donc on est le 20 octobre, il y a bien un dernier Friday, le dernier BO Friday, je sais pas quoi, BO3 Friday, qui annonçait du coup, donc qui est censé annoncer quelques nouveautés et tout. Sur Black Ops 3, on a pu voir du coup qu'il y avait la possibilité, enfin que quand le jeu sera sorti, on peut déjà le faire maintenant je crois, faut que vous associez votre compte, enfin que vous connectez à Call of Duty, que vous associez votre compte PSN dessus, et que au moins si vous avez déjà réussi à passer le prestige, à être soit passé niveau 10, soit être au-dessus du niveau 31, soit être prestige, vous gagnez des... Alors vous avez 3 réticules de visée, un emblème et un camouflage inédit. Plus, en plus de ça, il y a eu aussi l'apparition d'un pseudo nouveau mode qui est le mode free run, qui est juste en gros un pseudo didacticiel en gros pour tout simplement pour vos mouvements spéciaux, enfin pour vous entraîner aux mouvements spéciaux. Ça peut être fun à jouer quelques fois, mais vraiment très 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 rarement quand même. Donc voilà, c'est un peu tout pour les nouveautés qu'il y a eu dans ce BO3 Friday. Et voilà, du coup, j'annonce aussi le fait que mon montage est en cours de finition. Comme d'habitude, vous savez que je fais un montage sur BO, enfin sur tout ce qui s'est passé dans l'année sur Call of. Pour moi, même si là j'avoue que les clips ont été faits très très tôt, du coup il n'y a pas vraiment eu de changement. Il y a beaucoup de balles 27 à l'époque, parce que du coup c'était avant son patch. Attendez, du coup je vais couper la vidéo, parce que ça va durer peut-être un peu plus longtemps. Je vais juste rajouter une petite minute en plus. Hop, attendez. Voilà, j'ai relancé.
Donc oui, je disais que, donc voilà, comme vous savez, en fait, je fais un montage. Donc sur tout ce qui s'est passé sur Call of pour moi dans l'année, donc en général c'est juste des montages de feed en gros. Et du coup là donc mon monteur m'a dit qu'il cherchait toujours la musique, là on a trouvé la musique, donc dans la semaine ça devrait, enfin dans la semaine où cette vidéo sera sortie, normalement le montage sera déjà fini, je sortirai avant la vidéo découverte de BO3, c'est-à-dire que du coup au final dans mon planning vous allez avoir à un moment 3 jours de vidéo de suite. Ça sera le vendredi, vous aurez un épisode de Let's Play d'Uncharted. Le samedi, vous aurez le Let's Play. Enfin, pas le Let's Play, le montage qui sera sorti. Et en plus de ça, le dimanche, vous aurez la vidéo découverte de Black Ops 3. Où j'aurais vraiment pu mettre beaucoup de. Bon, ça sera vraiment vidéo découverte. C'est-à-dire que ce sera la première fois que je joue au jeu complet dessus. Une ou deux parties, grand max. Voir un peu tous les accessoires que je peux avoir et tout. J'ai vraiment. Celle-là, elle va être très complète, elle va être très longue. Mais par contre, voilà, je veux vraiment, enfin, je veux que ça soit bien bien fait. C'est-à-dire que du coup, bah, on va voir. Enfin, du coup, je vais commencer, je vais lancer le jeu comme j'ai fait pour la démo de BO3. Je vais regarder. Je vais pas voir. De toute façon, je crois que, enfin, dans les anciens Call of, c'était niveau 1, tu fais pas ta classe. Mais bon, c'est vrai que maintenant, c'est un peu changé. Enfin, normalement, c'était niveau 4 pour faire sa classe. Maintenant, ça a changé. Du coup, normalement, niveau 1, on peut quand même un minimum créer sa classe et ses armes. Et ses spécialistes aussi, normalement. Du coup, voilà, je vais me focaliser vraiment sur. Vraiment, enfin, je vais lancer le jeu, je lance le mode multi, et à partir du moment où j'ai lancé le mode multi, je lance l'enregistrement du jeu. Je vous propose du coup de regarder, voir directement tous les atouts qu'il y a, les expliquer petit à petit, on va dire, pas forcément. Parce que là, j'aurai les atouts, pas forcément en fait, mais tout ce qui est atouts, les dernières armes qui vont sortir, parce qu'au final, il y a encore quelques armes qui n'ont pas été annoncées. Il y a eu énormément d'armes qui ont été annoncées, qui ont été mises dans la bêta, et ça, franchement, c'est vraiment un gros kiff. Et je remercie d'ailleurs les producteurs d'Activision, enfin les développeurs d'Activision qui ont permis du coup d'avoir accès quasiment à, je dirais pas tout le jeu, mais au moins une bonne partie de toutes les armes qu'il y aura dans le jeu, avant leur patch bien sûr, mais du coup déjà avoir un petit coup d'œil sur les armes, leur puissance, leurs atouts, afin qu'elles soient patchées, parce que du coup quand le jeu sortira, il y aura déjà un patch post-bêta qui permettra du coup d'enlever tout ce qui est, enfin de comprendre. Normalement d'équilibrer le maximum les armes. Et donc voilà, donc ça sera comme ça que se postera ma vidéo découverte. Pour en revenir au montage, en dernière fois du coup la vidéo va durer 20 minutes, allez, j'avoue. Pour en revenir au montage, alors comme j'ai dit un peu juste avant, je crois que mes clips, tous ont été enregistrés quasiment avant le mois de janvier, si je dis pas de conneries, avant le mois de janvier du coup, donc 2015. La moitié en tout cas, je crois, n'avait pas été enregistrée avant. Tout simplement, en fait, parce que du coup, dans l'idée, j'avais pensé faire un montage de montage, tellement en fait, les feeds étaient quasiment trop simples. En fait, du coup, j'avais vraiment déjà énormément de clips sur BO3. Sur BO3, sur Advanced Warfare. J'en ai vraiment déjà énormément récupéré sur Advanced Warfare avant le mois de janvier. Du coup, j'étais parti pour en faire un quasiment genre mois de mars-avril. Mais après, du coup, il y a eu le patch qui a du coup fait que les feeds étaient beaucoup moins faciles, on va dire, que du coup, les patchs, enfin, que la durée de la feed était quand même beaucoup plus lente. Malheureusement, du coup, je me suis dit que cela, ben. Du coup, vu que j'avais déjà envoyé toute ma mon premier. Comment dire? Mes premiers clips, je les avais déjà passés à mon monteur. Histoire que du coup, ils se disent, ben écoute, toi, je t'ai passé ça, t'as tout ton temps, s'il n'y a pas de. Enfin, s'il y a pas de problème, essaie de me faire ça pour avril. Et si la feed en tout cas ne changeait pas, du coup moi ça m'arrangeait. Sauf qu'au final la feed a été changée, les clips ont été un peu plus difficiles à mettre, même si ça restait quand même relativement facile. Au final une triple feed, enfin dans mon montage c'est des triple feed, quad feed au grand max, 5 feed, il y a peut-être une 5 feed, je sais pas si je l'ai passé. Mais voilà, il n'y a pas non plus des trucs exceptionnels au niveau du montage. Mais voilà, du coup je lui ai dit non, bah écoute, on va attendre un peu. Au moins, si je réalise d'autres clips, je te les passe. Sauf qu'au final, après, j'ai eu l'idée de faire du coup ce que j'ai fait depuis. Enfin, que j'ai sorti au moins 3 épisodes, je crois, ou 4, d'une compile du mois. Ouais, j'en ai fait 4, je crois. Où du coup, je réunissais tous mes clips. Et tu clips, que ce soit sur FIFA, parce que ça permettait aussi de mettre un peu en avant FIFA, que je jouais énormément, que j'ai énormément joué cette année. Je suis passé quand même en Division 2 en Ultimate Team sur FIFA 15, ce qui pour moi c'est ma première année sur FIFA en ligne. Et je dois avouer que je suis quand même pas peu fier de monter jusqu'en Division 5
En Division 2, pardon, en saison. Enfin, en Ultimate Team et dans le truc en multi, du coup. Et du coup, voilà, ça permettait de réunir. En fait, tous les jeux auxquels je jouais. Par exemple, je me rappelle que dans le tout premier, je vais sortir un bug qu'il y avait sur Dying Light. À un moment, il y a eu une explosion. Je me suis retrouvé en dehors, enfin pas en dehors de la map, mais j'étais bloqué au niveau d'un toit. Enfin, j'ai passé à travers comment c'était quoi, un conduit d'aération. Du coup, j'étais passé au-dessus. Enfin, j'étais dans un conduit d'aération, il y a eu une explosion, et en fait, au final, mon perso s'est retrouvé à sauter et à passer à travers ce conduit d'aération. Du coup, il y avait la moitié du corps qui était dans le conduit d'aération et l'autre qui était du coup bloqué dans le conduit. Du coup, j'étais en out of map, en gros, un peu improbable d'ailleurs. Et du coup, ça, j'en ai profité pour le mettre. J'ai mis du coup beaucoup de FIFA parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de moments où j'ai mis du FIFA. Enfin, c'était quasiment plus pour promouvoir le fait que je joue à FIFA qu'autre chose. Les Call of, j'en ai rajouté quelques petits clips comme ça à la fin. Il y a eu aussi du coup Far Cry sur un petit truc qui était marrant quand j'ai tué un aigle pour déconner de manière improbable en noscope au sniper d'un coup. J'étais là, voilà, je voulais tenter, j'ai réussi du premier coup, c'était marrant. Du coup, je me suis dit, bon, écoutez, je vais le montrer parce que c'était assez fun. Mais voilà, du coup, donc voilà ce qui est du coup du montage. C'est-à-dire que du coup, vous allez voir énormément de balles 27. Et ça, par contre, je sais que bah, ça me fait à peu près chier. En fait, quand je compare, en gros, si vous voulez, je compare mes deux montages qui sont déjà sortis. BO3, il y a eu pas mal de changements. Où j'ai quand même, enfin, BO2, pardon, il y a eu pas mal d'armes diverses et variées, on va dire. Même si j'avoue qu'il y a eu. Il y avait eu quoi? Je sais qu'il y a eu la Type 25. Il y a eu de l'AK-40, de l'AN-94, de la M8, la MSMC, je suis même pas sûr. Enfin bon, je sais qu'il y avait pas mal de trucs différents, même si pas trop trop variés non plus. Je crois qu'il y avait quand même beaucoup d'AK, enfin d'AN, de M8 ou quoi. Ghost, justement, je me suis dit, bah écoute, ce montage-là, je vais essayer de faire un truc bien. Je vais essayer de faire en sorte de faire un clip avec toutes les armes du jeu. Et ce qui a été fait, à part pour le Lynx, je crois que j'avais pas fait. En tout cas, je sais que je crois que j'avais réalisé des clips quasiment sur toutes les armes du jeu. En tout cas, des armes principales et des armes auxquelles je jouais. Pour la plupart, pardon, excusez-moi. Pardon. C'est-à-dire que les armes bonus, comme la Maverick A2, la Maverick, je vous avoue que je l'ai pas fait. Les pompes, je sais que j'ai fait que FP6, il me semble. Pas le tag 12 en QFP6. Mais voilà, du coup. Et enfin du coup, ça me fait un peu chier parce que celui-là, du coup, va être pas forcément très très varié. Même au niveau des maps, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de. Je me souviens plus exactement tous les clips que je vais passer. C'est ça aussi qui est un peu frustrant. Mais du coup, voilà, j'ai pas toutes les maps qui sont sorties. Enfin, j'ai pas toutes les maps. J'ai beaucoup de balles 27, pas beaucoup de diversité. Je m'en excuse. De toute façon, au final, même moi, tous les clips que j'ai quasiment réalisés. Pour la plupart, c'est la balle 27 de la K. Enfin, la K12, ouais. AK, HBR-A3. Peut-être de l'ARX. Mitraillette. Mitraillette, mitraillette, mitraillette. Bah, la SM1, du coup. Après le reste. Enfin, voilà, du coup, c'est pas trop trop varié non plus sur Advanced Warfare. Je vous avoue que niveau variété, c'était compliqué. La SM6, c'était dur à jouer. Enfin, il était quand même assez dur au niveau de faire des clips. Enfin voilà, donc du coup c'était un peu plus compliqué que sur Ghost de varier les armes, mais bon je vous avoue que faire que sur trois armes quasiment c'est un peu frustrant. Mais bon voilà, je vais arrêter de discuter parce que c'est un peu chiant pour vous, je pense que ça fait déjà 8 minutes que vous êtes en train de regarder, 9 maintenant en train de regarder un écran pause. Donc bon c'est pas forcément fou là, je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup parlé. Mais voilà, du coup, c'est ce qui est, voilà, ce qui concerne le montage. Là, il me reste encore un épisode à tourner, donc je vais le faire maintenant. Là, du coup, on est toujours le mardi 20 octobre. Du coup, je vais faire ce dernier épisode, au moins après, je suis tranquille. Et du coup, j'ai toute ma semaine de libre. Et sachant que du coup, bah, je vous ferai ceux de la semaine d'après seront réalisés, bien évidemment. D'ailleurs, oui, il faut que. Je vais quand même vous finir. Oula, pardon. Je vais vous finir quand même Uncharted, sûrement, je pense. Soit aujourd'hui, soit dans la semaine, avant vendredi, du coup, parce que vendredi, je rentre chez moi. Donc j'essaie de vous finir Uncharted avant vendredi. Et je pense que je vais le faire même maintenant parce que je crois pas que les chapitres qui me restent sont très très longs. Au pire des cas, genre là les deux, au pire des cas les deux là, je pense que je vais les finir. Ou je les ferai plus tard. Peut-être pas lui parce que lui du coup ça reprend directement donc je vais en profiter. Mais les deux derniers, je les ferai un autre jour. Ça prendra pas forcément non plus énormément de temps. Donc bon. Donc voilà, j'espère en tout cas que c'est vraiment que cette vidéo vous aura plu.
Moi, j'ai passé énormément de temps à vous parler déjà en plus, donc c'est un peu fru. Enfin, pour vous, c'est peut-être frustrant, mais moi, ça me permet de discuter un peu tranquillement. J'en profite de ces let's play, parce que justement, des fois, genre lui, il était extrêmement court, il durait que 13 minutes. Si ça dure que 13 minutes, voilà, des fois, j'essaie de parler un peu plus, pour moi, en profiter de ce que j'ai à vous dire, parce que je vais pas faire de vidéo comme je faisais des fois à une certaine époque, juste vous dire, bah voilà, mes projets, qu'est-ce qui va sortir et tout. Là, voilà, j'ai mon planning qui est fait, si je peux profiter pour parler de quelques vidéos, enfin, pendant quelques vidéos. J'en profiterai et bah écoutez, bah ceux qui regardent pas les vidéos seront un peu déçus de pas savoir ce que moi je compte faire. Mais de toute façon, sur la vidéo découverte de BO3, je repréciserai tout ça. Et voilà, du coup, même si vous n'avez pas suivi tout le long, je réexpliquerai ça à la vidéo découverte de BO3. Et sur ce, bah écoutez, on va se retrouver du coup donc à la vidéo découverte de BO3. Ce sera le 6 novembre que moi j'enregistrerai ça. Mais du coup, pour vous, ça sera le 8 que vous l'aurez. Mais de toute façon, on va se retrouver déjà avant pour vous proposer d'autres vidéos sur Uncharted. Du coup, voilà, ça suffit, j'ai assez parlé. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bah écoutez tout le monde, à très vite. Ciao!